Ça veut dire que c'est un laps de temps très très court durant laquelle votre chien, votre chiot va avoir besoin de voir un maximum de choses. Comment réussir la période de socialisation de votre chiot? Vous en avez sûrement déjà entendu parler, la période de socialisation est une période cruciale durant laquelle votre chien va se faire un catalogue de tout ce qui existe. Nous allons en parler dans cette vidéo et je vais essayer de vous donner des conseils afin de réussir cette période de socialisation. Avant de continuer, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube et Facebook vont montrer cette vidéo uniquement si des gens réagissent dessus. Donc si vous la trouvez intéressante, celle-ci ainsi que d'autres contenus qu'on peut vous proposer, n'hésitez pas à agir dessus pour nous encourager à continuer. Alors, la période de socialisation. La période de socialisation du chien, elle commence à environ 3 semaines pour aller jusqu'à 3 mois, voire 4 mois chez certains individus. Ça veut dire que c'est un laps de temps très très court durant lequel votre chien, votre chiot va avoir besoin de voir un maximum de choses et va avoir besoin de faire un maximum de rencontres positives. En quelque sorte, votre chien va se faire un catalogue de tout ce qui existe et va le répertorier soit dans une boîte amie, soit dans une boîte ennemie. Donc vous l'avez compris, il faut qu'il y ait un maximum de choses rangées dans le côté ami afin que votre chien ait un comportement adapté plus tard. Si on a loupé un peu la période de socialisation, c'est-à-dire que par exemple on se met à sortir son chiot qu'à partir de l'âge que 4-5 mois, on peut rattraper des choses, mais on n'aura jamais quelque chose d'aussi efficace, un chien aussi à l'aise que si pendant cette période de socialisation on a pris le temps de l'emmener dans des environnements variés, bien sûr la campagne, un endroit où on pourra lâcher notre chien, mais aussi en ville, rencontrer différentes personnes, voir des vélos, des bus, des gens à roller, des joggeurs, voilà un maximum de rencontres avec d'autres chiens aussi, différents types de chiens, hein. Chez l'espèce canine, on est dans l'espèce où il y a le plus de différences, hein. On va avoir des races vraiment naines, jusqu'à des races géantes, des faciès très très différents, et si un chien a vu qu'un certain type de chien, eh ben, pour lui ça peut être difficile de communiquer avec des chiens qu'il n'a pas rencontrés pendant sa période de socialisation plus tard. Donc voilà le premier point, faire voir à votre chien un maximum de choses pendant cette période 3 semaines, 3 mois. Deuxième point sur lequel il faut veiller, c'est quand on a un bébé qui vient d'arriver et qu'il se retrouve dans une situation ou une situation que vous percevez comme un petit peu stressante, on risque de faire de la surprotection et de le prendre dans les bras. Donc ça, c'est une erreur à éviter à tout prix. Quand vous voyez un autre chien arriver sur lui, si vous le prenez dans les bras, bah, vous envoyez un signal de danger à votre chiot. C'est vraiment pas la bonne attitude. On a toutes les raisons de penser que ça va bien se passer. C'est très rare d'avoir un gros chien, un chien adulte qui va agresser un jeune chien. Voilà, si vous l'emmenez dans des endroits assez connus, assez fréquentés, et qu'il y a un chien qui est libre, qui arrive sur votre chiot, détendez la laisse, laissez-le entrer en contact. Pas de surprotection dans les bras. Pareil, quand il y a des situations... un bruit de bus, quelque chose qui fait peur un petit peu, on y allait peut-être un peu trop vite, trop près. La fois d'après, on se mettra plus loin, mais là, on ne se met pas à prendre le chiot dans les bras parce qu'on le verrait un signal, en fait, comme il y a une raison d'avoir peur puisque nous aussi, on a changé notre comportement. Troisième point très important à travailler pendant la période de socialisation, c'est d'apprendre à votre chiot le renoncement, la gestion de la frustration. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Emmener son chien, voir les autres chiens, c'est bien. Maintenant, si ça devient la règle, si dès qu'on croise un autre chien, on va le voir, eh ben là, on va avoir un chien qui, dès qu'il en voit un, va monter en excitation et va vouloir systématiquement y aller. De la même façon, apprenez à votre chiot, pendant cette période de socialisation, un ordre simple, s'asseoir et ne pas bouger, et demandez-lui, restez avec lui, installez-vous, posez-vous à proximité d'une route ou à proximité d'un parc à enfants où il y a des enfants qui jouent, qui font du bruit, et demandez-lui de rester sage et calme
quelques secondes au début, même 5 secondes, puis après 10 secondes, 15 secondes, puis plusieurs minutes, en fonction de votre chien. On ne compare pas à un autre chien, vous voyez d'où vous partez en fonction de son niveau d'énergie. Et puis petit à petit, vous allez essayer de lui demander de rester calme dans des situations qui peuvent être parues comme excitantes. Et où s'il n'y avait pas eu de laisse, il y serait allé. Là, on apprend au chien le renoncement. J'ai envie d'y aller, mais je ne peux pas toujours y aller. Donc là, on lui apprend le renoncement, chose très importante. Donc voilà pour les trois points que je voulais vous apporter comme conseil pour réussir la période de socialisation de votre chien. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Beaucoup de personnes se font prendre de court. Si vous rencontrez des difficultés dues à une mauvaise période de socialisation ou vous voulez vraiment prendre un bon départ, n'hésitez pas à faire appel à un de nos éducateurs canins comportementalistes. Allez sur le site www.respectdogs.fr et vous pourrez être mis en contact avec un comportementaliste certifié qui saura vous aider avec votre chien. Si le comportement, la psychologie canine et l'éducation vous passionnent et que vous souhaitez en faire votre métier, découvrez le programme de formation que je vous propose sur mon site www.respectdogs.fr. À bientôt pour une nouvelle vidéo.